Турниров, сравнимых с Мундиалитой, не проводилось довольно долго. Однако сама идея подобных соревнований оказалась вполне востребованной как среди болельщиков, так и среди самих футболистов. Именно по этой причине, спустя 4 года после Золотого Кубка Чемпионов Мира, в нечетном 1985 году, руководство FIFA объявило о новом первенстве, которое бы не только порадовало поклонников футбола, но и почтило бы память третьего президента Европейской футбольной федерации Артемио Франки. Почему вспомнили именно итальянского функционера, а не его двух предшественников? Причина кроется в крайне трагических обстоятельствах. Дело в том, что жизнь Артемио оборвалась в результате автомобильной катастрофы в 1983 году. Таким образом, в честь Франки в 1985 году был проведен турнир, носивший название «Кубок Артемио Франки». Турнир состоял всего из одного матча. Задумка была в том, чтобы в очном противостоянии столкнулись две футбольные школы – Старого и Нового Света, эдакий межконтинентальный кубок. Европа была представлена сборной Франции, победителями чемпионата Европы 1984 года. От Латинской Америки выступала сборная Уругвая, которая являлась обладателем Кубка Америки 1983 года. Матч прошел на парижском стадионе Парк де Пренс 21 августа 1985 года. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour cette première finale de la Coupe intercontinentale. Vous venez d'entendre l'hymne de l'Uruguay. Voici l'hymne de l'équipe de France de la Martinique. Un nouveau bonsoir, bienvenue au Parc des Princes pour cette finale de la Coupe intercontinentale qui oppose l'équipe championne d'Europe, à savoir l'équipe de France, à l'équipe de l'Uruguay. Et les Uruguayens ont quitté leur maillot azul, la céleste comme on l'appelle, pour revêtir une tenue blanche. Ballon dans les pieds des Français, rapidement la composition de l'équipe de l'Uruguay. Rodriguez est dans les buts, Batista, Pereira, Gutiérrez et Diogo. Сборная Уругвая официально настаивала на арбитре из Южной Америки, и их просьба была удовлетворена. Матч судил аргентинец Абель Гнекко. Но ни присутствие судьи, ни былые заслуги не помогли сборной Уругвая, которая ничего не смогла противопоставить своим оппонентам. Уже на 5-й минуте матча Доминик Рошта переиграл Серхио Родригеса и отправил мяч в пустые ворота. Platini pour Rocheteau, très certainement, c'est bien joué. Rocheteau tout de suite. Allez, Dominique. Très bon but de Dominique. Superbe. Dès la troisième minute de jeu, donc but de Dominique Rocheteau sur une attaque Jurès-Platini. Un très bon service de Platini. On voit cette action, Roger. Oui, et je dois dire que le ballon de Michel Platini est très bon. Mais il faut dire que Rocheteau a très bien anticipé et actuellement, Rocheteau démontre qu'il a, en plus de sa vivacité, de sa combativité, qui étaient des atouts qu'il avait jusqu'à présent, une sérénité et disons un calme olympien dans les 18 mètres adverses au moment où il a fallu dribbler le gardien de but pour mettre le ballon au fond des filets. Je crois que Rocheteau actuellement garde, comme je le disais, sa vivacité, mais en plus il voit très clair dans les 18 mètres adverses. Et c'est à mon sens pour ça qu'actuellement il est bien meilleur qu'il y a au moins 5 ou 6 ans. On revoit donc ce but avec beaucoup de sang-froid. De Dominique Rocheteau, voilà un match qui est lancé à 100 à l'heure alors que Gutiérrez, le stopper de l'équipe de l'Uruguay, s'est un peu fait mal. Donc mène 1-0, passe classique, hein. Gires, Platini, Rocheteau. Oui, ils se sont très bien trouvés tous les trois, hein. Mais le déramarrage de Rocheteau dans le dos du défenseur a été impeccable. Que l'arrière-gauche revient avec touché le ballon de la main. Gires peut-être, oui, il y a un hors-jeu. Bien joué en tout cas. Au public est ravi, l'équipe de France mène 1-0 depuis la troisième minute, but, je vous rappelle, de Dominique Rocheteau. Et une équipe de France qui joue bien, pour l'instant, bien groupée. Un but dans l'estime de l'équipe de France, pour bien dire. Bien sûr, Gires, Ayache, oui, Touré, pour Rocheteau, pour Platini, du gauche. Oh, bien joué Rodriguez, très belle action française, très très bien.
tout cas, ce match musclé est un excellent match de préparation avant le match de Leipzig où l'équipe de France aura à rencontrer la RDA tout à le fait. 11 septembre prochain. Et c'est un match plus sérieux, en tout cas plus important, puisque comptant pour la qualification pour la Coupe du Monde. Français en ce moment. Oh, il y a un jeu, c'est les deux même. Il est content, monsieur Cabrera. L'arbitre n'aime pas ça, hein, que le joueur poursuive son action comme ça. Enfin, il ferait mieux d'être un peu plus sévère sur les. Mi-temps, mais on peut penser qu'Henri Michel va pouvoir essayer quelques joueurs peut-être. Oui, peut-être aussi à la demande de quelques joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire de Michel Platini notamment, donc on peut dire que la préparation physique n'est pas celle de ses coéquipiers ce soir et qu'il n'a disputé qu'un match amical avec son club contre Vérone en Italie. On peut penser également que Touré, qui se plaignait en fin de première mi-temps encore que mais c'est un athlète, est-ce qu'il est capable de tenir une heure et demie comme ça, peut-être. Par rapport au match contre la Bulgarie, premier match perdu par l'équipe de France depuis le championnat d'Europe, on a retrouvé l'esprit français quand même, un certain moment, notamment dans le début de cette rencontre. Oui. L'esprit français, malgré encore une fois les absences de certains joueurs, c'est bien qu'il y a quand même un esprit football. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un fond de jeu français, il y a un esprit. Ils jouent tous, actuellement, les 16 ou 17 joueurs qui composent cette équipe de France ont tous le même esprit, c'est-à-dire la qualité du football qui est toujours faite et on se lassera jamais de répéter, faite d'improvisation. Et ça, cette improvisation, c'est la condition physique qui est mise à et, toute leur technique. Et que nous allons assister à une excellente deuxième mi-temps. Et il fait durer le plaisir, monsieur Nico, visiblement. Voilà, c'est parti. Deuxième mi-temps, 45 minutes en cas d'égalité, comme c'est une coupe officielle. Et Algires. На 56-й минуте матча победу французов закрепил гол Жозе Туре, который также переиграл вратаря уругвайцев в ближнем бою. Et il est au début, au départ de l'action, par une très belle feinte, il va orienter le jeu différemment, il va changer d'aile pour justement Platini qui lui va donner à Gires. Non, à Fernandez, Gires, c'est bien ça, qui lui va trouver la poitrine de Touré. Regardez. Hop. Et qui d'un tout petit lob, très bien joué. Après 11 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps, donc 56e minute, 2-0 pour l'équipe de France grâce à Touré. Alors que Francescoli essaie de prendre cette but, mais ce soir, on voit donc les deux attaquants de pointe. Rocheteau et Touré, marqué les deux buts de l'équipe de France. Rocheteau, il reste Platini et Tussaud qui avec possèdent son pied gauche. Aussi un bon pied gauche. C'est ça. Platini, lui, bien sûr, voilà. Oh, poteau le poteau. Ah, dommage. Peut-être Rocheteau, non. Là, il s'est hors jeu. Hors jeu, oui. Ah là là, Michel Platini sur le poteau, son coup franc. On bat dans la mêlée, attention à Ramos. Ah, oh, bien joué, Vax. Bien joué, Vax. C'est difficile à... De Batista. Oh, bel arrêt sur ce tir de Ramos. Superbe arrêt de Vax. Que nous allons très certainement revoir au ralenti. Pierre Badel, vous voyez. Bien joué au premier poteau. Oh, le ballon rentré, ouais, hein, bien sûr. Ouais. Tussaud. Gires. Touré. Toute en déviation, touche d'une balle. Oh, bien joué. Bien joué pour Touré. Oh, bien joué. Dominique Rousseau, il n'y a pas en jeu. Alors, fantastique. Alors que le juste ballon... touche n'avait pas levé son drapeau. Et c'est le gardien de but qui a réclamé, Bernard. Oui. Ah oui, le gardien de but a réclamé et l'arbitre du centre est venu siffler leur jeu alors que le juge de touche qui était sur la ligne, lui ne le siffle pas. Alors qu'on peut voir peut-être si le ballon est donné en retrait, Dominique Rocheteau n'est pas hors jeu, alors que le ballon est donné devant. Et c'est pour ça que l'arbitre siffle certainement hors jeu. Gires avec Touré. Gires Touré Rocheteau. Gires il va tout seul peut-être. Oui. Oh oui, bonne ouais, balle pour Platini. Oui, ah, qui n'a pas pu frapper comme il voulait, il l'avait bien donné, Gires. Et avec Touré sur la droite. Et deux contre un. Oui, Touré. Avec... Ah, dommage. Touré qui a voulu piquer le ballon pour lober le gardien de but.
mais c'était trop difficile à faire puisqu'il était trop près. J'ai l'impression que l'arbitre argentin, M. Neco, est très content de voir jouer l'équipe de France. Il se régale. Et voilà, il siffle la fin de... Первое противостояние диаметрально противоположных футбольных школ осталось за представителями Европы. Grâce à deux buts marqués là en première mi-temps, la troisième minute par Rosto et l'autre à la 56e par Touré, qui bat donc l'Uruguay 2-0 en ayant fait un très très bon match. Donc ce qui prouve, Bernard, que nous avons en France quand même 15 ou 16 joueurs. On avait peur qu'il y ait quelques remplaçants ce soir, mais comme je le disais en début de ce match, eh bien, ces remplaçants qui n'en sont pas, d'ailleurs, peuvent figurer. Et à partir du moment où il y a un esprit qui réside dans cette équipe de France, une facilité de jeu telle que nous l'a encore démontré ce soir, je crois que tous les joueurs peuvent rentrer dans cette équipe et réussir un match comme ils l'ont fait encore aujourd'hui. Eh bien, espérons qu'ils continueront dans cette voie et qu'ils se qualifieront pour le Mexique. Oh ben, je pense, on peut dire que nous croyons à la qualification de l'équipe de France puisqu'il reste 3 matchs à disputer. Elle n'a besoin encore que de 2 points. On peut penser, oui, que de 4 points parce qu'elle n'en a que 7. Mais enfin, on peut penser que le Luxembourg, ça sera relativement facile, tant pis pour les Luxembourgeois. Et qu'avec ce match ici contre la Yougoslavie, pour le cas où c'était accroché contre la RDA, ben, je pense que l'équipe de France pourra avoir son billet pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. Alors Jacques Georges va remettre la Coupe intercontinentale, le challenge Artemio Franti à Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France. L'équipe de France qui donc... Ah, et voyez que le gardien du Rodriguez applaudit. L'équipe de France qui, un an après avoir été champion d'Europe, remporte donc cette coupe intercontinentale alors que les 20 000 spectateurs enthousiastes du Parc des Princes réclament un tour à cette équipe de France. Une bonne soirée, en tout cas, pour les hommes d'Henri Michel. Mais ce n'est pas terminé avec le sport, car à 23h10, vous pourrez suivre un résumé, toujours sur Antenne 2, bien sûr, un résumé de la rencontre d'athlétisme, du meeting d'athlétisme qui s'est déroulé ce soir à Zurich, 23h10, avec les commentaires de Gilles Colzanet et de notre ami Jean-Michel Bello. En tout cas, bonne soirée pour le football français, victoire de l'équipe de France dans cette coupe intercontinentale, première du nom, face à l'Uruguay, 2-0. Les images étaient de Pierre Badin.